Réparer plutôt que jeter, c'est devenu un réflexe pour certains, que ce soit pour des raisons écologiques ou économiques. Encore faut-il avoir les compétences et le matériel pour le faire. À Saint-Louis, un atelier tenu par des retraités bénévoles assiste ceux qui souhaitent fabriquer des objets ou tout simplement leur éviter la benne. Géraldine Dreyer, Paul Thierry. On peut commencer par défaire tous les serre-joints déjà. Il y a d'un côté celui qui a du métier et de l'autre celui qui a envie d'apprendre. C'est cela l'esprit de l'atelier de Saint-Louis. Un petit filet de colle, pas trop, hein, ouais. Parce que sinon ça dégueule de partout. Oui. Hein, On est là pour apprendre aux jeunes, comme on nous a nous-mêmes appris. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des jeunes qui s'intéressent encore à quelque chose, quoi. Gaëtan fait le bonheur de Robert, car le jeune homme en bac pro menuiserie vient chercher ici de quoi compléter sa formation, et même un peu plus. La bonne humeur, de l'attente, bon matériel qu'on peut trouver ici, et de l'entraide, et j'y vais dès que je peux. Des Gaëtan, l'atelier aimerait en accueillir davantage, des jeunes ou des moins jeunes qui viendraient pousser la porte de cet espace destiné au grand public. 400 mètres carrés dédiés à la réparation et aux petits projets personnels. Une incitation à réparer pour ne pas jeter. Et c'est clair qu'on est, à fond dans ce domaine, mais c'est un état d'esprit à avoir que les gens n'ont pas encore forcément compris ou alors ne veulent pas. C'est aussi bien entendu plus facile d'aller acheter un autre appareil que de venir le réparer. Ils sont pourtant bien équipés et multicompétents, ces retraités bénévoles. La preuve avec cet outil haut de gamme récupéré à la déchetterie, pour lequel il suffira d'acheter une nouvelle batterie. Et pour un peu moins qu'une centaine d'euros, on a là une machine qui vaut bien 5-6 fois, 5-6 fois plus. Hein. Ça vous désole de voir que les gens y jettent ? Ça me rend malade quand on voit le prix que ça vaut. Et que les gens, ils ont peur des fois de dépenser 20 ou 30 euros pour réparer quelque chose. Et ça vaut 700-800 euros à 1000 euros, des fois, selon les machines. Tout un état d'esprit à venir partager à l'atelier, où vous n'êtes pas à l'abri non plus de passer un bon moment autour d'un café avec des passionnés.